en face, de clochard de goyonnette. Mais putain de merde là, j'ai envie de prendre sa daronne et l'écraser contre un chips. Tu vas me dire quand t'es pas niveau nul, t'es nul. Ta gueule. Ouais bah putain. Vas-y c'est bon, je te boot, c'est bon, ça ta gueule, hop, c'est bon. J'envoie le message à mon pote, comme ça demain c'est fait, comme ça... Non, ça va pas le faire, non. Si, je veux bien que des fois on s'énerve, je veux bien défendre vous deux, mais je veux pas que ça commence à hacker les gens, tu vois. Limite, Goy me fait rire quand il essaie d'hacker les gens parce que deux minutes après on entend salut à tous les gars, bienvenue sur un tuto pour hacker. Zial vite Goy, c'est drôle tu vois quand c'est hacker. Sauf que là quand ça commence à partir avec des potes qui connaissent déjà le hackage, non merci. Bon bah écoute Mac. Goy t'es tellement... Goy t'es vraiment plus con que ce que je pensais. T'as mal, t'as fini à la piste ou quoi pour être aussi con? Bah ben toi, faut pas demander à le t'as fini à quoi. Ah bah t'es aussi con quoi, donc ta gueule un peu, hein. Goy, j'adore tes clashs. On joue en hardcore et après rager et quitter parce qu'on perd, faut être vraiment un mauvais joueur. Ouais, niquer ta mère aussi, ça passe, non? Ouais. T'es pas fini à la piste, toi. T'es pas fini à la merde. Je sais pas à quoi t'es fini, à la merde. C'est quelque chose... C'est quelque chose non, qui mais à la gamin, piste, il y a que cette expression, il y a pas à la merde. Il y a pas du tout ça, quoi. Ouais, j'ai prédire ta mort à l'avenir. Tu vas mourir, je t'explique. Tu vas traîner derrière le cul d'un éléphant et un éléphant qui va te tuer une viande crotte et tu seras mort comme ça. Écrasé par une crotte de 3 tonnes. Oh putain. Ça, c'est ta mort. Après, en plus, logiquement. L'autre, logiquement, c'est mon papa, ils sont de ma gueule. Mais je me fous de la gueule de Goy, parce que ces clashs, ils sont nuls. Il a dit, ta mort... Non, pas besoin de lui dire, hein. Il a dit, ta mort, ça va être sous la crotte d'un éléphant. Oh putain. C'est drôlement drôle. Ta seconde vie, on va te retrouver par terre, mais en poussière. Ta mère qui est déjà mise en poussière, déjà. Wow, ta mère. Franchement, t'as pas notre mot? Non, parce que... bah non. Putain. Si t'as envie de la sauter, tu le dis, hein. Je te donne son adresse et voilà. Ah, pas besoin, il habite là-bas. T'es con ou quoi? Parce que là, tu dis toujours ta mère. Ah, de la tienne? Ah, d'accord.